today. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Emparez-vous d'un Banshee, il s'en servira pour regagner le Pillar of Stone. Vous l'avez fait exprès, hein? Rejoignons la passerelle. De là, on pourra utiliser les implants neuraux du capitaine pour mettre en surcharge les moteurs à fusion du vaisseau. L'explosion devrait endommager suffisamment de systèmes pour détruire l'anneau.
La passerelle. On a réussi. Bon travail. Téléchargez-moi dans les systèmes de contrôle. Le terminal se trouve près de l'écran principal. Je quitte la maison quelques jours et voilà le résultat. Ça ne sera pas long. Voilà, ça devrait nous laisser le temps de rejoindre une nacelle de survie et nous éloigner d'Halo avant l'explosion. Désolé, mais c'est hors de question. Quelle plaie! Ridicule, mettre en péril une telle intelligence artificielle embarquée avec tant de connaissances, au risque qu'elle soit capturée ou détruite. Je l'ai. Un captage local. Ah, mais c'est passionnant. Un enregistrement de notre passé révolu. L'histoire humaine, hein? Fascinant. Oh, je vais apprécier chaque moment de sa catégorisation. Comment pouvez-vous envisager de détruire cette installation et cet enregistrement? J'en reste sans voix. Il a interrompu la séquence d'autodestruction. Pourquoi continuer à le combattre, Reclaim? Vous ne pouvez pas gagner. Donnez-nous l'intelligence artificielle et vous mourrez sans trop souffrir et... Au moins, je contrôle toujours le réseau de communication. Où est-il? Je détecte une présence dans le vaisseau. Sûrement des sentinelles. Quant au monitor, il est à la propulsion. Il doit tenter de désactiver le noyau. Même si je parvenais à relancer le compte à rebours, je ne sais pas quoi faire. Quelle puissance vous faut-il pour casser l'un des boucliers du moteur? Pas grand-chose. Disons une grenade bien placée, et pourquoi... Ok, je vous accompagne. Chef, des sentinelles! Le crash a bien endommagé le vaisseau. Allez à la chambre cryogénique. On devrait pouvoir rejoindre la salle des machines par là.
Thank you.
machine localisée. Alerte! Le monitor a désactivé l'accès aux commandes. Impossible de relancer le compte à rebours. On n'a plus qu'à faire exploser les réacteurs à fusion du vaisseau. Cela devrait suffire à détruire Halo. Ne vous inquiétez pas, j'ai accès à tous les plans et à toutes les procédures des réacteurs. Je vais vous guider. On doit d'abord s'occuper des raccords d'échappement. Cela ouvrira un puits menant au noyau de fusion principale. Les cellules de fusion. Utilisez un explosif. De préférence, une grenade ou une roquette. Si vous manquez d'explosifs, il y a une armurerie près de l'entrée de la salle des machines. Pourquoi continuez-vous à vous résister, Ricana ? Déstabilisation du réacteur à fusion numéro 1. Utilisez des explosifs contre les trois autres réacteurs. Cela devrait permettre de déclencher l'explosion des moteurs. Localisée. Alerte! Le monitor a désactivé l'accès aux commandes. Impossible de relancer le compte à rebours. On n'a plus qu'à faire exploser les réacteurs à fusion du vaisseau. Cela devrait suffire à détruire Halo. Ne vous inquiétez pas, j'ai accès à tous les plans et à toutes les procédures des réacteurs. Je vais vous guider. On doit d'abord s'occuper des raccords d'échappement. Cela ouvrira un puits menant au noyau de fusion principale. Bon, nous devrions pouvoir tirer faisant les cercles de réparateurs pour brouiller le champ magnétique entourant les cellules de fusion. Utilisez un explosif, de préférence une grenade ou une roquette. Si vous manquez d'explosif, il y a une armurerie près de vous. Salle des machines localisée. Le monitor a désactivé l'accès aux commandes.
Impossible de relancer le compte à rebours. On n'a plus qu'à faire exploser les réacteurs à fusion du vaisseau. Cela devrait suffire à détruire Halo. Ne vous inquiétez pas, j'ai accès à tous les plans et à toutes les procédures des réacteurs. Je vais vous guider. On doit d'abord s'occuper des raccords d'échappement. Cela ouvrira un puits menant au noyau de fusion principale. Bien, première étape terminée. Bon, nous devrions pouvoir tirer sur un des quatre réacteurs qui ont brouillé le champ magnétique entourant les cellules de fusion. Utilisez un explosif. De préférence, une grenade ou une roquette. Si vous manquez d'explosifs, il y a une armurerie près de l'entrée de la salle des machines. De service de la classe 7, longeant la structure dorsale du vaisseau. Vite!
Répondez, Coca 119. Bien reçu, Cortana. Je vous reçois 5 sur 5. Les moteurs du Pilar of Autumn sont dans un état critique, Former. Demande d'évacuation immédiate. Rejoignez le lieu du crash et à mon signal, préparez-vous à nous récupérer à la jonction d'accès extérieur KC. Affirmatif. Écho 419, je vais sur place. Écho 419 à Cortana. Rabarde là-dessous. Tout va bien? Négatif, négatif. Le noyau de fusion du vaisseau subit un terrible dégât, plus de dégâts qu'on croyait. Analyse. Plus que 6 minutes avant que la fusion ne provoque l'explosion. Demandons évacuation immédiate. À rebours final lancé. À zéro, les moteurs exploseront. Avec l'explosion, la température atteindra 100 millions de degrés. Mieux vaut être ailleurs. Former va nous récupérer. Maintenez votre position. Cortana à Echo 419, deux Banshees des Covenants en approche à 6 heures. Dégagez, je répète, dégagez! Je suis touché! Mayday, mayday! Propulseur arrière gravement touché! Perte de contrôle! Perte de contrôle! Echo 419! Elle est morte. Calcul d'une autre issue en cours. L'inventaire du vaisseau indique qu'il reste un chasseur Longsword à la plateforme de lancement 7. En partant tout de suite, on peut réussir. We'll be right back.
va devoir jouer serré. Non, que de la poussière et des échos. Il n'y a plus que nous. On a fait ce qu'il fallait. Pour la Terre. Toute une armada de Covenants éliminée. Et les Floods, on n'avait pas le choix. Allô ? C'est fini. Non. Je crois que ce n'est que le début.